الصلاة والسلام على رسول الله وسيدنا محمد ربحي وراس مالي الله مع أجل علي وبسم الله بدي السلام عليكم بسم الله بدي السلام عليكم ويا رجال الله طايع بين يديكم بسم الله بدي السلام عليكم وبسم الله بدي السلام عليكم السلام عليكم ويا رجال الله طايع بين يديكم وبسم الله بدي السلام عليكم Chers amis téléspectateurs, Sahaïd, comme Kulam, Muntum, après, Inch'Allah, j'espère qu'on va vous accompagner deux heures durant, de 8h30 jusqu'à 10h30. Et on a envie de vous transmettre l'ambiance familiale qui règne au studio de Bonjour d'Algérie d'Oran en cette belle matinée. Et bien, Eid Mubarak et meilleurs voeux en cette occasion de l'Eid al-Fitr. Et prions Dieu pour qu'il nous accorde sa miséricorde et qu'il agrée notre jeûne, Inch'Allah Ya Rabbi. Et bien, sans plus tarder, et bien, je suis en compagnie d'invités qui vous ont accompagnés pendant le mois de Ramadan et qui continuent leurs activités de solidarité et de bénévolat, on va dire, puisque je reçois et je partage le plateau en cette belle journée de l'Eid avec, on va dire, je crois qu'on va commencer par les dames, non ? Hein, Wafa ? Bonjour. Bonjour Wafa. Bonjour. Ça va ? Vous allez bien ? Alors c'est Wafa Belkacem, vous l'avez certainement reconnue puisque elle a fait des actions de solidarité et de bénévolat, on va dire, en ce mois sacré de Ramadan, accompagnée de monsieur Ben Habib Mohamed Amin. Bonjour. Bonjour madame. Ça va ? Sahaïd, Koukoulamoutibkhir. Allah yselmek, que Dieu, Inch'Allah, accepte notre jeûne. Et notre prière, Inch'Allah. Inch'Allah, Ya Rabbi. Et bien sûr, le représentant et le président de l'association Chabab al-Bahia, qui a été très active pendant ce mois sacré de Ramadan, et bien représenté par M. Mohamed Boukhanouf. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Merci de d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et vous avez tenu, d'ailleurs, tous les trois, à partager avec nous ce bon moment, on va dire, festif. Inch'Allah. Et on va dire, même l'ambiance familiale, y règne ici. Eh bien, le décor, c'est par vous, Wafa. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Vous nous avez gâtés en cette matinée. on est obligés, c'est notre image, là. Bien sûr. Alors, un petit rappel sur vos activités. Bien sûr, honneur aux dames, Wafa. Vous avez été active pendant tout le mois de Ramadan, puisque vous avez préparé des repas destinés aux médecins qui étaient de garde, qui ont été au front contre le coronavirus. Coronavirus, oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a commencé. Bon, on a commencé bien avant le mois de Ramadan, mais on a continué tout le mois.
avec les médecins Covid, avec on a même on avait des SDF, des familles nécessiteuses. Mm-hmm. C'était pas que les médecins Covid. Ah d'accord. Oui. Oui, on a partagé ça. Bon, on a commencé avec un petit nombre, on n'avait pas beaucoup de nombre, mais on a continué jusqu'à... On avait presque 150 personnes. 150 personnes tous les jours. Ah, quand même, 150 repas par jour. 150 repas par jour, oui, 150 repas par jour. Des repas complets, bien sains, bien équilibrés. Très bien. Et bien sûr, vous êtes accompagné de M. Benhabib, justement, Mohamed Amin. Alors vous, vous avez été très actif aussi, pardon, en compagnie de Wefa. Alors, parlez-nous un petit peu de cette expérience. Est-ce que c'est la première fois ou vous êtes... Oui, pour moi, c'est la première fois. D'accord. Parce que moi, j'étais au début comme donateur. Oui. Il a commencé comme donateur, après il est... D'accord. Après, je me suis porté bénévole avec, au faveur du... Des médecins et des paramédicaux. Et comment se fait-il que vous avez, vous vous êtes dit, tiens, c'est bon, je vais adhérer à l'idée de Wefa, et je vais adhérer à ce groupe, justement, qui donnait pendant tout le mois de Ramadan? Eh bien, moi, je suis déjà de métier dans le paramédical. Mm-hmm. Donc, voilà. Ah, voilà. Voilà. Donc, j'étais intéressé, voilà, quand Wefa, elle m'a contacté pour le pour l'aider, donc... Mm-hmm. Dans le but, en faveur des médecins et le staff paramédical, j'étais intéressé. Mm-hmm. Donc voilà, une fois allé chez elle, j'ai vu le laboratoire. Laboratoire, vu comment on travaille. Voilà, on travaille. J'ai aimé, j'ai les vraiment aimé. Les conditions qu'on a fait. Voilà, j'étais encouragé d'être bénévole avec eux. Voilà, et je me suis porté avec eux tout le mois de carême. Tout le mois de carême. Avant et après, voilà. Ah, très bien, donc vous êtes investi carrément. Hein, carrément oui, pendant le confinement. Le confinement, d'accord. Exactement. Vous aviez des autorisations, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, pour vous sûr. Déplacer facilement. Facilement, oui. D'accord, très bien. Alors, Boukhanou, vous aussi, vous avez été très actif, d'ailleurs. Oui. L'association Chabab El Behia, qui n'est plus à présenter d'ailleurs, bravo. On a même vu, il y a Nesrine Arwa, notre journaliste et amie, bien sûr, et notre collègue, qui vous a accompagné pendant votre, on va dire, votre action dans les, on va dire, les endroits où il y a des familles très démunies. Oui. Donc, parlez-nous un petit peu de cette action que vous avez menée à, on va dire, à bon terme. Oui. Justement pendant le mois de Ramadan, Sabah al-Nour, Oudak Mabrouk, on va dire tous les membres de l'association Chabab El Behia et Madame Wefa, bien sûr. Qui n'est plus à présenter. Toujours, bien sûr. Alors l'association Chabab El Behia, c'est une association qualitative sociale humaine. Mm-hmm. Les activités de l'association, les activités dans le mois de Ramadan, qu'on a le Covid, plus le Covid, qu'on a le mois de Ramadan. Les activités coffins de Ramadan, l'iftar chaque jour, les repas. Et que sous l'aide, finalement, le dernier projet le mois de Ramadan. Alhamdoulilah, donc les familles, je suis à nécessité cette année. Farhou un petit peu. Bien sûr, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Très bien. Et que l'équipe de l'association Chabab est toujours active. Ils ont activé même à la veille de l'Aïd. L'Aïd, bien sûr. Oui, alors bien parlez-nous un petit peu de cette démarche que vous avez faite. Donc, chaque année, on a des familles, on a une base de données, les familles, on a une distribution, dernier jour, on a une distribution. Alhamdulillah, cette année, c'est bien, beaucoup. On a fait le résultat, mais alhamdulillah. Alors, et comment vous avez vécu, on va dire, ces moments de confinement, ces moments de Ramadan, au sein même de vos familles? Parce que là, vous étiez à l'extérieur, vous aidez, on va dire, les personnes démunies, les personnes en nécessité. Donc, comment vous le viviez? Comment vous arriviez, justement, à concilier votre, on va dire, votre action humanitaire avec vos familles? Moi, surtout Wefa, parce qu'elle a des enfants. Oui, oui. Malheureusement, pour moi, tout le mois de Ramadan, je n'ai pas été chez moi. Oui. Tout le mois, jusqu'à présent. Ah, oui. Vous avez délaissé votre chef. Complètement. Votre mari, il n'a rien dit. Complètement. Alors, j'imagine. Je n'aimerais pas être à votre place. Heureusement qu'il est avec nous dans cette opération. Ah, très bien. Même mes enfants. On est dans le laboratoire H24, quand jour même. Et nuit. Oula.
Quand même, donc vous avez ramené même vos enfants avec vous ? Oui, il y a mes enfants qui m'aident. J'ai toute la famille. Toute la famille Belkacem qui a contribué. Il y a mes enfants, et j'ai trois enfants, il y a mes enfants qui m'aident. C'est très bien, ça. Il y a mon enfant qui est avec moi aujourd'hui, c'est lui qui fait le pain. Qui est derrière la caméra ? Oui, qui est derrière la caméra, c'est lui qui fait le pain, qui fait le dessert. Il y a le petit qui aide, le petit chef. Il y a l'autre aussi qui m'aide beaucoup. Il y a mon mari qui m'aide, il y a mon frère, il y a mon cousin. C'est toute la famille. Mais comme je suis, comme il a dit, je suis le commandant, je ne peux pas laisser mon laboratoire. Marie, qu'on a des chefs, on est dans un groupe qui est vraiment solidaire, mais je ne peux pas laisser le laboratoire sans... Impossible. Oui. J'ai préféré de rester dans le laboratoire. Pendant tout le mois de Ramadan, je n'ai pas encore vu ma maison. Jusqu'à présent. Donc, cette année, ça a été très différent. Ça a été très différent. Mais je vous jure, Imen, il y a une ambiance, il y a une chaleur. Malgré qu'on est confiné, malgré qu'on a beaucoup travaillé, on était très fatigués, mais quand tu vois la satisfaction des médecins, des gens qui ont été, ils étaient éblouis par notre travail, c'était ça, on a tout oublié. Et comment, justement, alors quels sont les échos, on va dire, les échos de vos actions, On a fait le Laylat al-Qadr, c'était la surprise. On a fait le Laylat al-Qadr, moi j'ai préféré, j'ai préparé des gâteaux. Comme vous voyez, ça c'est des gâteaux qu'on a préparés pour les médecins. D'accord. Juste pour vous dire, tout ça, on a préparé ces gâteaux pour les médecins. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite surprise. J'ai parlé avec le chef service. Il y a docteur, CHU, c'est docteur Moufar. Ah, Benzadjab. Oui. Ah, d'accord, le chef de service. Oui. Je la remercie à ce plateau, ce plateau. J'ai parlé avec elle, j'ai dit, est-ce que je peux faire une petite surprise pour le... Oui, Katie, tu as le droit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenu, moi et l'équipe, de faire animer. Bon, j'ai visité deux jours ou trois jours, j'ai visité le siège. Justement, on a vu des lives que vous avez fait. J'ai visité le lieu, le siège, c'est le service infectieux. J'ai vu qu'il était sombre, il était sans... Il n'était pas vivant, mort. C'était glacial. Il sait qu'il n'a quand devant le danger, devant tout, et ils n'ont pas un endroit. J'ai dit que vous n'avez pas un endroit vert pour vous défouler, pour sortir, pour voir un peu de la verdure. Ils m'ont dit malheureusement on n'a pas. J'ai eu l'idée à la tête. J'ai dit pourquoi pas, je ne vais pas animer sur cet endroit. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous connaissez, moi je suis traiteur et décoratrice. Justement. J'ai ramené des tapis rouges, on a fait de la lumière, on a fait des tables, des nappes, des bouquets de fleurs. On a ramené des fleurs pour chacun et on a préparé des boîtes de gâteaux. Je vous jure, Imen, ça m'a traîné. J'avais les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Je vous laisse parler. On l'a fait pendant 4 jours. J'ai pas voulu. Chaque garde. C'était la veille de l'aide. Oui. Voilà. Ce qui fait que je n'ai pas laissé Marayed Dahlada. C'est qu'à les médecins et qu'à les paramédicaux, on a tenu tous les gardes, on l'a refait. Voilà, pour la première Laylat al-Qadr, la garde la première, parce que Houma, c'est des équipes, je crois. Cinq gardes. Ça pour eux. Donc parlez-nous un petit peu. Alors vous, c'est la première fois où vous adhérez, dans le domaine de l'associatif. Donc parlez-nous un petit peu de qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, du moment que vous donnez quelque chose à des personnes dans le besoin, parce que ce sont des personnes qui sont là à pied d'œuvre à combattre un virus, à servir, les Algériens, à nous servir, à nous aussi. Donc, que ressentiez-vous à ce moment-là? Vous faisiez quelque chose? C'était très ému. Ça veut dire qu'il y a une sensation de fraternité, c'est une autre sensation. On ne peut pas le... L'exprimer, exactement. Et vous êtes rentré à l'intérieur, vous avez distribué les repas? On a préparé ça à l'extérieur. La fête, elle était à l'extérieur. On a visité, la zone verte. On remercie M. Mebarki, celui qui fait les tenues, qui fait les bavettes et les tenues. Mm-hmm. Il était avec nous, il nous a accompagnés dans cette opération. Il y avait toute l'équipe, on était presque 30 personnes. Exactement. J'ai tenu que toute l'équipe va... chez les médecins, il y avait même les malades qui étaient dans les Balkans, ils ont vécu avec nous cette joie.
Ils ne peuvent pas sortir. Ils étaient dans leur balcon, dans leur fenêtre, qui vous voyez qui on a promis. Bon, hier, on a fait du couscous pour tout le monde. Il y avait même. Ah, très bien. Et oui, parce que dans la région d'Oran, le premier jour de l'Aïd, on prépare un bon couscous. Oui, on a fait du couscous. On a fait même pour les malades. Vous avez transmis même la tradition oranaise aux hôpitaux et tout. Même tout le mois de Ramadan, on a fait l'Aïd al-Qadr, on a fait le rogek. Beloué, on a fait le roguet. Tout le mois de Ramadan, j'ai tenu, j'ai dit, il faut que le médecin et la personne qui mange nos repas et qui va se sentir qu'il est chez lui. Ça, c'était notre objectif. Heureusement, quand on était à l'hôpital, les médecins ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit qu'on a presque 4 mois, on n'a pas vu nos familles, notre maison. On a ressenti ça à travers vos repas. C'est ça qui m'a fait grand plaisir. Fait plaisir. C'était ça notre but. C'était notre but. C'était pas que faire des repas et c'est tout. Non, c'est notre but dans cette opération, c'est quand la personne elle mange, elle ressent qu'elle est chez elle. Chez elle. Chez elle. Vous leur avez transmis, on va dire, l'ambiance familiale. Alors, Benhabib, vous, c'est la première fois, comme je l'ai déjà dit. Alors, parlez-nous un petit peu de cette action. Ne laissez pas Wefa parler. D'accord. C'est bon. Alors allez-y. Donc voilà, puisque je vous ai dit que je suis dans le paramédical, je termine le travail à 15h et je passe à la maison vite fait. Et après, je pars au labo, chez Wefa. Donc je serai là-bas de 17h jusqu'à Maghreb. Quand même. Oui, quand même. Voilà. Donc vous êtes mobilisé carrément. Mobilisé, parce qu'il faut qu'on prépare le repas à temps chaud, bien organisé. Et vous aviez du temps, on va dire, pour rejoindre votre chez vous, pour manger avec eux, pour partager direct, je rentre à la maison. Exactement. Donc je reste 2-3 heures à peu près. Après, je repars, c'est au labo. Ouais, je repars le soir parce que pour préparer le lendemain. Monsieur Boukhanouf. Oui. Ben oui. Animahom, Allah, ça fait plaisir. On travaille tout le mois de Ramadan. Pour nous. كيف دونك عندنا لي زاكتيفيتي احنا كاع عندنا لي روبا واجدين وجدوا نعطوهم دونك لي زاس دي اف لي ميدسان لي يكونوا ريزيدون يكملوا على الزوج تاع الشيه سورتو لوبيتال تاع لي كونسيغو الحاسي امير القادر لي زانفون ا كي اون سويت لي زانفون لي ميدسان لي ريزيدون يكملوا على الزوج ويكونوا صدري كريم ساكنين بعيد على لوبيتال دونك من الزوج حتى ل 8 وديجا مشي مزوجين عزب ما يعرفش يطيب ويتو دونك وي سيليباتير وعندنا لي فامي نيسيسيتو دونك لي فامي ديمينيو اللي نعطوهم لي روبا كان شاك جور 75 روبا وي شاك جور Donc, l'île 27, qu'on a mené l'opération le mois de Ramadan. Donc, et vous avez passé l'Aïd la journée. Alors, est-ce que vous l'avez passé à la maison? Comment s'est passé hier? Parce que c'était le premier jour de l'Aïd. Alors, le confinement de 7 on pouvait sortir de 7 heures jusqu'à 13 heures sans voiture. Alors, comment vous avez passé cette journée? La fatigue. toute la journée, dormi. Donc, l'équipe y est bzef. Bien sûr. Ah ben ça nous a permis de nous reposer déjà. Oui, oui. Déjà. Non, Non, on a fait le ftor hier, du couscous, et même le soir, on a préparé, parce que ils n'ont pas des personnes qui... malheureusement, il y a tout est fermé. Surtout qu'ils sont loin de chez eux. Cette année, parce que les confins de Ramadan, les 27,
première tranche, deuxième tranche, troisième tranche et quatrième tranche. Donc des fois, parce que nous avons cet an, les gens presque les journées, mais ils n'ont pas. Ce qui a attiré l'attention justement, oui, c'est la solidarité. Oui. La solidarité qui était présente pendant le mois de Ramadan, pas uniquement pendant le mois de Ramadan, déjà depuis le début, depuis le début de la pandémie. Tout le monde a mis la main dans la main, tout le monde est là à aider, à y aller vers les hôpitaux, à y aller vers les familles démunies un petit peu. Donc là, c'est vraiment génial. Il y a même Imen, ce que j'ai constaté, je vous jure que j'avais beaucoup de larmes aux yeux. Des fois, on n'avait pas quoi faire pour les menus. On n'avait pas. Je fais un statut sur les réseaux sociaux, je vous jure que j'ai des donateurs que je ne connais pas. Des donateurs que je ne connais pas. Il y a des donateurs qui frappent à la porte, qui nous apportent des trucs. Mais j'ai dit, Alhamdoulilah, mziya kel khair fi bledna. Mais elle, oui, Alhamdoulilah. L'Algérien Ma'arouf, pardon, l'Algérien Ma'arouf, voilà. Exactement, il est là. Il y a l'Azma Talid Lhimma, exactement. Donc les Algériens, Wallah Ma'arofin bzef. J'étais très contente. Chauffez, que ce soit dans le bénévolat pour le travail qu'on a fait. Moi, j'ai fait un appel pour les chefs. J'ai dit, j'ai ouvert mon laboratoire. Tout ce qui veut, toute personne veut aider, qu'il soit professionnel. Moi, j'ai insisté qu'il soit professionnel. Comme ça, on peut donner mieux. Mieux. Exactement. C'est ça notre but. J'ai dit, mon laboratoire, il est ouvert. J'ai reçu pas mal d'appels, j'ai reçu pas mal. Que je remercie toute l'équipe qui a été rejoint à notre équipe. Et pour toute personne qui a été rejoint à notre équipe. Wallah, alhamdoulilah, que ce soit le bénévolat et que ce soit dans les donateurs. Wallah, alhamdoulilah. Vraiment, on était solides. On s'est senti comme une famille. On s'est senti comme une famille. Toute l'équipe, hein. Même hier, malgré que les rythmes, c'est qu'ils n'ont pas dormi pendant 24 heures. Parce qu'ils savent, qu'il y a des personnes qui sont loin de leur famille. Hier, on s'est déplacé vers les cours de 2 heures. Oui, c'est ça. Vers les cours de 2 heures, comme on a passé hier à la télévision, on n'avait pas assez de temps. On a passé au CHU. On a pris le couscous, j'ai tenu Bachankoun Maham. On a attendu jusqu'à une demi-heure pour voir les médecins. Bon, j'ai trouvé qu'ils étaient pleins au rapport. Pleins. J'ai dit que Mme Aftatour, on s'excuse, on a fait un peu de retard. Ils ont dit non. Malgré qu'on a faim, mais on est tranquille que les repas de WFA, ils vont venir. Hein. J'ai dit merci. Ils savaient. Oui. Mais Alice, on a faim, mais on est sûr que WFA, elle va venir. Eh bien, puisqu'on est en train de parler de l'ambiance familiale que vous avez transmise justement à ces personnes qui sont loin de chez eux, qui sont confinées depuis le début de la pandémie. Vous et M. Bouhanouf, eh bien, je vous propose, chers amis téléspectateurs, de voir l'ambiance d'une famille algérienne pendant l'Aïd, et on se retrouve juste après. عيدنا وفرحنا وعم على حباب جمعنا ان شاء الله ربي يخلينا فرحين وكلنا. اهلا زميلي بلال حمدون، اهلا كامل الجمهور الجزائري اللي متابع فينا في هذا البرنامج صباح الخير يا جزائر. كما راكم تشوفوا اليوم انا متواجدين في البيت العائلي بهذه مناسبه عيد الفطر المبارك. حبيت نهنئ كامل الجزائريين ونقول لهم عيد سعيد وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. وكذلك نقدم التهاني الخالصة لطاقم التلفزيون الجزائري وكذلك طاقم جريدة الجزائرية للأخبار وجمعية بسمة مريض والإعلام. ومن هذا المنبر نحيي كامل الأسلاك الأمنية والعسكرية، كافة الطاقم الطبي اللي كانوا ساهرين معنا خلال انتشار وباء فيروس كورونا. نقول يعطيكم الصحة على كل ما راكم تقوموا به، وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا، وعام سعيد وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم، عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. ونطلب من الله
يرفع لنا هذا البلاء والوباء هذا ان شاء الله وعيد سعيد للأمة الإسلامية والعربية. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. بهذه المناسبة أتمنى للشعب الجزائري عيد سعيد مبارك والمرضى الشفاء العاجل إن شاء الله. كما ما ننساش بهذه تحياتي لعائلتي الكبيرة والصغيرة، وبهذه المناسبة ما ننساش بنتي وزوجها ووليدها فارس عبد الصمد اللي اليوم إن شاء الله في اليوم العيد المبارك عنده شهرين، وبين كل عائلة مقري بحري وبتنزل. وشكرا. السلام عليكم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، والعقوبة العام ان شاء الله. السلام عليكم، بمناسبة عيد الفطر المبارك نهنئ الشعب الجزائري بهذه المناسبة، نقول لكم عيد مبارك، كل عام وانتم بخير، وجميع الأمة الإسلامية، وربي يتقبل صيامنا وقيامنا، وربي يبلغنا رمضان القادم إن شاء الله بإذن الله، وربي يرفع علينا هذا الوباء ويدفع علينا هذا البلاء بإذن الله، ويشفي مرضانا ويرحم موتانا. والسلام عليكم ورحمة الله. فكير رحمان من الجزائر العاصمة، بهذه المناسبة السعيدة أهنئ الأمة الإسلامية عامة والشعب الجزائري خاصة، كما أهنئ التلفزيون العمومي الجزائري. وبالنسبة للأوضاع التي تعيشها الجزائر أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء ويتم الشفاء ويرحم موتانا إن شاء الله، وتحياتي للجميع. حايتكم. السلام عليكم، معكم ياسمين زروقي، صحفية مقدمة أخبار بقناة الباهية. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اغتنم هذه الفرصة نوجه تحية كبيرة إلى كل الأمة الإسلامية ولكل الشعب الجزائري، قولهم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. كما لا ننسى نوجه تحية للجيش الأبيض اللي عيدوا بعاد على ديارهم، وقولهم ربي يعينكم ويقدركم على أداء هذه المهمة النبيلة، وإن شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء. De retour sur notre plateau et toujours en compagnie de nos invités. Eh bien, on va dire, c'est le moment de se séparer, un petit moment. Hein, hein? Ouais. Alors, vos dédicaces, du moment que c'est la journée de l'Aïd, ouais. C'est la journée des dédicaces, on présente nos vœux à nos familles. Cette année, ça a été un petit peu différent, c'est tout à fait normal, c'est les téléphones, mais les téléphones, il y a les réseaux sociaux aussi. Donc, présentez vos vœux à travers la télévision. Très bien. Bon, je présente mes vœux. On vous comme ça, عيدكم وعيد ان شاء الله هذا العام يكون بخير علينا ان شاء الله. ان شاء الله عقوبة العام الجاي ما نكونوش كما هذه السنه. Bon, je fais mes dédicaces pour ma famille, pour mon mari, mes enfants qui ont souffert avec moi malheureusement dans ce mois. Je dis samhouli, ou je représente, bon, je dis merci à toute l'équipe, merci aux donateurs, merci au bon Dieu, alhamdulillah ya rabbi, parce que ce qu'on a fait c'est grâce au bon Dieu. Je dis merci au bon Dieu, alhamdulillah, on a fait jabna had le virus au coucher, mais malgré ça on a ressenti on est bon ki ngoulou jatna haja rabbaniya bsah lmetna. Je dis merci au bon Dieu, merci à tous nos amis, merci Houari. Oui, merci. Merci, Allah, merci à toute l'équipe. Ou j'ai dit Hidkom Brok ou Galnes. Ou merci pour tous les médecins qui sont confinés. On est avec vous jusqu'à la fin du confinement. Très bien. Alors, monsieur Ben Habib. Voilà, donc je dis Hidkom Brok, Siya Makboul, Inch'Allah, Din Makfour. Voilà. Et je passe. Aïd Mabrouk pour tous les enfin, je passe un message pour les donateurs. Oui. C'est un remerciement, voilà. D'accord. Aïd Mabrouk, et on les remercie. Voilà, pour tout c'est ce qu'ils au nom de toute ce l'équipe. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire. Exactement, parce qu'au nom de toute l'équipe de la main d'or de UEFA et les bénévoles. Très bien. Donc voilà, on passe le. Enfin. Oui. On tient les remerciements, voilà. Très bien. Pour les remercier, pour les donateurs qui sont parvenus partout, hein, même très de bien. France, même. Et les encouragements, surtout les encouragements. Très ils bien. Nous ont très très bien encouragés, les réseaux sociaux. Et ça aide combien ça, voilà. Alors, monsieur Boukhanouf, N'goul l'équipe Tiana, l'association Chebeb Behatikom Saha, fier de vous. Oui. Blabikom. ما كناش غادي نوصلوا هذا الريزولت اللي درناها وكانت نيشان كما اون ديون اوراني نيشان alors نقول لهم يعطيكم الصحه ما فامي سي مخنف مي بارون مي فرير جدي وجداتي نقول لهم يعطيكم الصحه والله كل عام وانتم بخير ربي يطول في عمرهم ان شاء الله ربي يطول في عمرهم لا فامي بوشاما كيف خوالي نقول لهم يعطيكم الصحه العقوبه العام الجاي ان شاء الله
Très bien. Donc, et à mon tour aussi, je présente mes vœux à toute ma famille et amis, et surtout à ma tendre et maman chérie qui est en train de me regarder. Maman Sahaïdek. Donc, même si j'ai passé l'Eid avec toi hier, à ma sœur chérie et Ilhem, à qui je souhaite, on va dire, du bonheur, de la joie aussi, son époux Mahfoud, à toute la famille Ma'ammar et Ben Kartaba, et surtout à tonton Bardet, qui est en train de me regarder, à qui je fais un petit coucou. Sahaïdek, tonton. Et Mima qui est en train de nous regarder, qui adore Bonjour d'Algérie, qui regarde Bonjour d'Algérie toute la semaine et qui nous dit à travers chez elle, qui nous dit bonjour à travers son téléviseur. Eh bien, à Ami, bien sûr, qui est devant son téléviseur aussi, à ma tati qui est à Toulouse, qui est en train de nous regarder aussi, et bien sûr, à mon frère qui est à Bordeaux, au Boutchou. Eh bien, je vais les citer quand même. Il y a Jihen, ma petite nièce, qui est en train de nous regarder pour la première fois cette année pendant Ramadan. Elle a fait des gâteaux. Bravo Gigi, hein? Bravo. Alors Kader, Khalid, Ibrahim de Bordeaux, eh bien je vous fais un gros bisou. Donc on va dire, bien sûr, on va recevoir d'autres invités qui vont défiler aujourd'hui et qui vont partager avec vous cette ambiance familiale. Eh bien, je vous laisse avec ce clip de Maya, et on se retrouve juste après. Oui. Et bien sûr, nous sommes allés chez nos médecins, qui sont à pied d'œuvre depuis le début de la pandémie. On va voir leur dédicace, et on se retrouve juste après avec nos invités. Restez avec nous. Bonjour. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, je souhaite une bonne fête à tous les Algériennes et les Algériens. Et par la même occasion, je souhaite une très bonne fête à tout le personnel soignant, qu'il soit médical, paramédical ou administratif. Et bien entendu, je demande aux citoyens et aux citoyennes algériens, pendant les deux jours de l'Aïd el-Fitr, de respecter les mesures de barrière, de respecter surtout le confinement, de rester chez eux, et ceci afin de ne pas propager le virus qui est encore mortel. Je saisis cette occasion pour dire aux citoyens algériens, dans le cas où ils doivent sortir, de respecter les mesures d'hygiène, à savoir le port de masque obligatoire, de laver les mains avec des solutions hydroalcooliques et de respecter surtout la distanciation sociale. Bien entendu, on ne veut pas courir le risque ni à nos proches, ni à nous-mêmes. C'est pour cette raison que je redemande au peuple algérien et aux citoyens et citoyennes algériennes de rester chez eux. On peut souhaiter la fête de l'Aïd el-Fitr par des messages téléphoniques, par le téléphone, par des mails, et ceci, bien entendu, on sait que c'est une fête de l'Aïd el-Fitr qui est une fête particulière due à cette propagation du coronavirus. Alhamdoulilah, la situation est relativement maîtrisée en Algérie et on souhaite que ça continue, et ceci avec l'aide de tout le peuple algérien et de tous les citoyens algériens. Bonjour à tous, c'est le professeur Bounsoud Selim, chef de service de médecine légale et directeur des activités médicales et paramédicales du CHU d'Oran. Donc à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, je tiens à présenter mes meilleurs voeux de bonheur, de santé, de prospérité à tout le peuple algérien en général et en particulier pour le personnel de santé. Surtout durant cette période exceptionnelle et cette conjoncture mondiale marquée par la pandémie du coronavirus, la COVID-19. Je tiens également à rendre hommage à tout le personnel soignant et les personnels de santé engagés dans la lutte contre la COVID-19 et qui sont en premier plan. Je leur rends hommage pour leur bravoure, leur engagement, leur dévouement et leur sacrifice. Je saisis cette occasion des fêtes de l'Aïd pour souhaiter un Aïd Moubarak Saïd à tout le peuple algérien en général
et surtout en particulier à tout le personnel soignant, qu'il soit médical, paramédical ou même personnel de l'administration. Je voudrais que cette fête soit une joie, soit un bonheur pour tout le peuple algérien et tout le monde musulman. Je saisis aussi cette occasion pour demander à tous mes concitoyens de respecter les consignes de sécurité, ces barrières de sécurité pour lutter contre cette pandémie. Assalamu alaikum. أنا الدكتور إلياس بغلي رئيس الجمعية الجزائرية للتغذي والطب الجزيئي بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم إليكم جميعا بأحر التهاني داعيا من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وابتداء من يوم العيد أصبحت استعمال الكمامة إجباريا وذلك لتفادي العدوى بين أفراد المجتمع وهذا لتمكيننا من إعادة كل النشاطات في الجانب الاقتصادي التجاري الدراسي العلمي الرياضي وكل ما يخص المجتمع وهذا باستعمال الكمامات الثلاثية الطبقات وذلك للوقاية من العدوى كما قامت به عدة دول مثل سنغافورة شنغهاي وتايوان رغم صغر شساعتها لكنها تغلبت على هذا الداء وأصبح النشاط يومي وذلك لفائدة المجتمع إذن ما علينا إلا أن ندعو باستعمال هذه الطريقة البسيطة وللعلم ففي بعض الأحيان العبقرية تكون للبساطة وشكرا. السلام عليكم. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أتقدم بتهاني خالصة لكل مسلمي العالم وخاصة مسلمي الجزائر، كما أقف وقفة إجلال وتقدير لكل الأشخاص الموجودون في أو لكل الأشخاص الموجودين في الصفوف الأولى في الحرب المعلنة ضد فيروس الكورونا، خاصة البدلات البيضاء، أطباء، الممرضون، التقنيون النظافة، وكذلك أعوان الأمن، أعوان الحراسة للمستشفيات والطاقم الإداري تاع المستشفيات، وكل اللي راهم يرافقوا فيهم من أفراد الحماية المدنية، شرطة، الدرك الوطني، الجيش الوطني الشعبي، وتقنيو النظافة نتاع البلديات اللي راهم يقوموا بتعقيم الشوارع أثناء أوقات الحجر. كما نترحم على أرواح كل موتانا، خاصة الذين ذهبوا ضحية فيروس كورونا، من بينهم نذكر كل البدلات البيضاء رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه ونحسبهم إن شاء الله من الشهداء. ونقف كذلك في هذا اليوم المبارك وقفة إجلال وتقدير لإخواننا، نتفكرهم إخواننا في فلسطين المحتلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وينصر كل الذين يسعون لإعلاء كلمة الحق. بارك الله فيكم. De retour sur notre plateau et en compagnie de nos invités. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est la journée des dédicaces, puisque M. Karim Kher présente ses vœux de l'Eid à son adorable épouse Esma et leur petit bout de chou Haroun à sa maman et toute la famille Kher. Et Soraya Belfodil, notre chef monteuse, eh bien, elle présente ses vœux à sa fille qui vient juste de souffler sa 18e bougie. Alors, elle dit qu'elle a fait plein de gâteaux pendant tout le mois de Ramadan, alors réussite et santé Inch'Allah, ainsi qu'à son fils Enis et toute la famille Belfodil à Tiaret, Goudjil à Alger et Gadouche en France, à Paris. Et bien sûr, Madame Toubel Fatima qui présente ses vœux à son mari Refiq, à sa maman, à sa sœur et Safia, et sa sœur Safia, sa femme et toute la famille Mortar. Et on remercie Fatima pour nous avoir, agrémenté notre beau plateau de roses, de fleurs, de c'est très beau, des compositions florales et avec Saha de la pépinière de Gambetta. Merci beaucoup. Et sans plus tarder,
décidé, je vais rejoindre nos trois invités. Alors, croyez-moi, ce sont des invités qui vous ont accompagné pendant tout le mois de Ramadan, à travers des sitcoms, à travers des feuilletons. Eh bien, on commence bien sûr, Galanterie oblige, par la diva de la chanson algérienne, de la chanson raï. Vous l'avez certainement reconnue, Zahwani Yahlima, bonjour. Saïd, coucou, l'âme, un petit frère. Mubarak, l'âme, un petit frère, inshallah. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Inshallah, le khair, le saha, le hana. Inshallah. Et Rabbi, yitqabbalna siyam, le qiyam, inshallah. Et yirbid alina had waba, le bala. عيد مبارك على كل الأمة الإسلامية والجزائرية. إن شاء الله يا ربي. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné alors d'une personne que vous aimez tous, que vous appréciez tous, qui vous a accompagné pendant tout le mois de Ramadan. Et bien sûr, elle n'est plus à présenter, l'unique Barta. Bonjour. Bonjour Iman. سعيد كل عام وانت بخير. الله يسلمك سعيد وعيد أمة الجزائرية كامل والجارية الجزائرية اللي في الخارج بارتو وما كانت نقولها سعيدكم وكل عام وهما بخير يا ربي. إن شاء الله يا ربي. Et bien sûr, on va mettre un petit accent justement sur Barta parce qu'elle vient juste d'avoir une petite fille. تتربى في عزكم إن شاء الله. Et félicitations. Merci الله يسلمك. Merci à tes sahar. Très bien. Merci. Vous n'êtes pas seul puisque qu'on a quand même un homme avec nous. C'est un artiste qui vous a accompagné pendant tout le mois de Ramadan sur notre chaîne de Canal Algérie, ce qui n'est autre que le professeur Ben Asri. Ben Asri Ben Kaka, bonjour. Bonjour. Sabah Nour, Eidek Mabrouk, Koul Aam, Wint Abkhir, Inch'Allah. Ziyajibti Abel Arabiya. Ziyajibti. Français, Ouel, Ouzrak. بارك الله فيك إيمان نشكر محطة وهران على هذه الاستضافة قالت كنانا جيلي ونشكركم ونقول لكم عيدكم مبروك كل الجمهور الجزائري وخارج الجزائر ونقول لكم رانا مرحبا بينا عندكم الله مرحبا بينا احنا عندك باسكو انت راك ولد الدار نيشان وي بيان سور بيان سور مرحبا بكم vous êtes chez vous quand même très bien alors on va parler un petit peu de ce que vous avez fait. Vous nous avez accompagnés avec des sitcoms, à travers des sitcoms, à travers des feuilletons qu'on a suivis avec, on va dire, dans une bonne humeur. Vous nous avez ramené la bonne humeur jusqu'à chez nous, à travers l'écran. Donc, parlez-nous un petit peu de ce sitcom qui a fait la une, on va dire, de la télévision algérienne. سلسلة كيما موالف نديرو سلسلة رمضان بصح هاد المرة كي شغل الوباء هو اللي شوية أثر علينا الكونفينمون هذا أثر علينا شوية في الخدمة خدمنا 15 بارتي والحمد لله كانت ساتيسفي فاتت بيان c'est une histoire sociale qui m'a justement j'allais vous poser la question sur l'histoire ouais, l'histoire sociale mais c'est pas grave انا لو رول تاعي كنت ايميغريه justement تحياتنا لي ايميغري voilà là on a découvert Barta dans un autre rôle donc parlez-nous un petit peu alors c'était Barta dans un sens et puis là on vous a découvert un autre talent carrément oui parce que انايا كان عندي un autre travail ايمان donc j'étais obligée باش نبدل كاع البيرسوناليتي اللي باغي نلعبها في لو بروجي تاع عبد القا صدير كيما نقولوا نبدل اللوك تاعي نبدل كلش اي طيبتي طاجين بالزيتون طيب طاجين بالزيتون على خاطر جبري واه ما كليناش جبتها لنا بصح حنا ما كلينا والزنزله ضربت الزنزله ضربت وديك الحلقه فيها زنزله تسمى الزيتون انحط وطحنا وهربنا الزيتون مازال سالوها طاجين تاع الزيتون مازال سالوها مازال سالها ولينا طيب ليها هذه هي ليستوار ودلنا 15 بارتي باسكو قلت لك سيتي ديو او كونفينمون بس سي توت افي نورمال باسكو توت لي برودكسيون اونت ايتي توشي كان ميم بار سيت بانديمي معليش سي اون بيريود بار لاكيل اون اي باسي اون باسرا ان شاء الله ان شاء الله اون فا دير
On va dépasser, on va dépasser un petit peu ce cap un petit peu difficile. Il faut bien se confiner pour vite, on est bien confiné, vite on va se débarrasser de cette pandémie. Inch'Allah. L'Ukht Iman, nous n'avons pas de raison, parce que c'est ce que nous avons fait pour le jumhour. Le téléspectateur. Nous voulons qu'il soit dans sa maison et nous allons entrer dans l'ébtissama en Ramadan. Vous avez réussi. Vous avez réussi. Alors le rôle aussi de Ben Kaka, ça a été un rôle magnifique d'ailleurs. Oui. أستاذ جبري هو حياته غير حساب وعبد قا للحياة بعد مناسبة بروفيسور دو مات بروفيسور دو مات وعبد قا عداد أنا تيس فابلون مات هاوي مات مات وما نحسب والو عندي غير عشرة نحبس في العشرة نحبس بالواحد حتى العشرة داكو ولكن الرياضيات صافي دير تما هو يتبع غير الحسابات عنده الزميل تاعه يتبع الفايدة حوز غير الماكلة والجواري تاني عندهم حسابات تاعهم وصراع هذه تبغيني مسكينه ليلى اللي مازال ما تلاقيناش كاع passé dans le scénario nous on pensait que vous alliez au moins vous rencontrer parce que là quand le téléspectateur a regardé la sitcom c'est qu'on avait l'impression que c'était deux scénarios complètement différents alors l'un jouait sur un scénario et l'autre dans un autre scénario alors qu'est-ce qui s'est passé parlez-nous un petit peu de ça le scénariste كتب ما جاش متناسقه استادير كي تشوفيها تشوفي انا راني نهضر على جبري بصح ما تلاقيناش بتات غادي نتلاقوا في البروجي الثاني الفايده والحساب دو الفايده والحساب دو علاه ما تلاقيناش الاخت بختا كانت كورونا كانت كورونا سي بور سا با وي لا بري اون كونسيديراسيون لو كورونا في ليستوار ايمان في ليستوار هذه ليلى لي ميغريه تجي غير من الصيف للصيف كيما لي زيميغري تجي لدارها عندها لابارتمون تاعها وكل شيء في هذا لابارتمون تاعها حداها جارها هذا جبري استاذ ماشي متزوج الوغ العقلية تاع نسا توجور طامعة باسكو هي ماشي متزوجة كبيرة وماشي متزوجة. كومونس فيتيل كالا فريمون غاليري لا بوفر الوغ كو جينيرالمون لي جون إيزام بيان سو ماريي افيك كالكا كي يا لي بابي اون فادير. وي تبدلت دروك الأمور كل شيء تبدل الإيمان. افيك لو سونس كونتخير. هو إحساس بيه هو هي صيفري جات هو إحساس بيه. وإلا طبعت فيك واحد هو جزائري. Et oui, avec le corona. Allez, je pense, regardez, oulou, m'l'khale, j'ai toujours une. Ah, regarde-le-bois. Eh bien, bravo, bravo. Message, Dani, message. Eh bien, pour la première fois, on a vu la diva de la chanson Rai de Lella Turquia et de, on va dire, Abdelkader Yabouelem, qu'elle interprète avec brio. Et donc, Zerwenia, on vous a vu dans un autre, on va dire, dans un autre répertoire en acting. C'est que vous avez fait vos premiers pas pendant le mois de Ramadan dans une sitcom qui a été diffusée dans d'autres chaînes, sur d'autres chaînes, en tant qu'actrice. Donc, parlez-nous un petit peu de cette nouvelle expérience. كيفاش حتى وصلتي لاكتر افير اكتريس والله انا سعيده جدا وفرحانه بهذا الدور اللي عطاوه لي وقمت به وسورتو مع كان شرف كبير ليا كي لعبت مع الفنانه القديره الكوميديان القديره المحترمه باردون كانت لي شرف كبير فريمون وانا كنت نلعب عطاوني دور دوفون ممثلين كبار وانا سي بور لا بروميير فوا مانيش عارف من نبدا من Vous avez été bien encadré. شوفي الحاجه اللي عجبتني معاهم كانوا عائله. سيتي اون فامي ريسبكتو. كانوا محترمين بزاف وحطوا انايا ليا انايا كي دخلت كنت نستنى كيفاش وكلشي. من بعدها شفت روحي آلاز شفت السيناريو قريته وعجبني وهي كانت تلعب في واحد الدور تو اون فيديو ترافايي افيك ال كان عندي كنت باغية ديك المهنة تاعها باش نلعب مسلسل بور لا بروميير فوا وكي شفتها هي تخرج بواحد الخرجات ما تضايقيش غير تضحكي غير تضحكي سي كون لا فوا ناتوريل باسكو موا بيرسونيلمون شيرز امي تيلي سبيكتاتور جو كوني بارتا ان دهور دو سكي ان دهور دو سكي كو دو بارتا لارتيست دونك اي كرويي موا كو سي بارتا كون روتروف سي بارتا سي ال كانت تخدم
ناتوريل ماشي ماهيش حاجه اللي مصطنعه فوالا نو 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 كلش كان يخرج اليتي سبلونتاني واعيه واش راهي تقول كانت سي فري دخلت الفرحه 44 مليون الحمد لله جزائري اللي تفرجها بهذا سيدنا رمضان الكريم وهذا شرف ليا نحييها يسلمك ميرسي حليمه ولا. شرف ليا ثاني كذلك كومام قامة من قامة الجزائر حليمة نبغو ولا نكرهو اسم على مسمى حليمة تبقى حليمة حتى وحدة ما غادي تغونبلاصيها وسا ما في بليزير اللي تلاقينا في مسلسل انا ديجا نبغيها حليمه نبغيها موت عليها شكون اللي ما بغيهاش هذا هو البروبليم سي كو اون بو با اون بو با الي اون اور اور زوانيه بيان زوانيه وسما في بليزير اللي خدمت معاها وكنت كنت جي اونفي باش يكونوا بليزور سيكونس باش نتلاقوا في رحبه دوماج الكاتب دار 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 غير شويه دار alors tellement tellement qu'elle nous est chère on lui a préparé justement une petite surprise Vous n'étiez pas au courant. Vous avez vu on cache bien notre jeu. Depuis tout à l'heure, qui m'aille, m'a dit walou. Ah ben oui. Alors avec l'aide de Nasrallah, on a pu. On va vous faire une surprise. Alors on regarde tous ensemble. Bien sûr. Allons-y. On a remonté le temps, souvenir, souvenir. On a pris un malin plaisir de voir Cheb Hamid, à qui on fait un petit coucou. Sahaïda, toute la communauté algérienne établie un petit peu partout dans le monde et notamment, surtout en France, parce qu'il y a une condensation zahouania. Vous avez vu souvenir, souvenir. Alors, oui, c'est un souvenir redditouni. زمان. على زاني انا اه وي سي نحييه ونقول له عيد مبارك عليك انت والعائله الكريمه ونسلم على الجاليه الجزائريه اللي راهم في الخارج كان فنان كبير اي مالوغوزمون وي معليش لا معليش Il a fait les beaux jours de la chanson Raï. Ah oui. حنا نتمنوا حليمة يتفكروهم. يتفكروهم بيان سور. وي. بيان سور هادو ناس كان عندهم امباكت وكانوا في وقتهم كانوا دايرين امباكت وعلاش دروكي يهمشوهم حنا ماذا بينا هاد الناس سواء الشونتير ولا الفنان عندنا لو ميم كا. صدر الواحد كي يكون داير لو باز راهم معاه نهار اللي مسكين صاي تهود به شويه من بعد ينساوه الوغ نتمنوا حنا وزير الثقافه اللي جات صافي بليزير انا نشوفوا فيها اللي تخدم هي تخدم صافي بليزير ماذا بينا دور لي زارتيست دور لي زارتيست تهتم بهم باسكو البلاد بلا لي زارتيست ماهيش بلاد نكتبوا على رواحنا سي ليدونتيتي دو بيي لي كوتي تاع البلاد لي بيلي تاع البلاد لي بريزونتي البلاد هما لي زارتيست بيان سور صافي نقل الوزيره تتهلا فيهم وتشوف فيهم دونك اون ريفيان ا سكو فوز افي في vous avez participé à cette sitcom qui a fait, on va dire, la une des chaînes algériennes, notamment sur Canal Algérie. Donc, parlez-nous un petit peu comment vous aviez vécu. Est-ce que le tournage était en plein confinement? Alors, ça se passait comment? كانت شويه صعيبه ايمان ما نكذبوش عليك لو برومي طون كي بدينا قبل ما كانش كاين لو كونفيرمون تاع الهود من بعد ولا على ثلاثه حنا في البيريود الاولى كي بدينا كان السبعه كنا نخدموا صافا كنا نخدموا شويه خدموا كالكو سيكونس وكل شيء ومن بعد عاود زاد قرار واحد اخر قال له كونفيرمون غادي نزيدو نهودو يولي ا 3 على 3 ما كاش اللي يخرج الوغ تما سي لا بانيك تما كي ولا على 3 سي لا بانيك كنا باتوا تخيلي من بعد باتوا مع هاد النساء اللي كانوا يروحوا انا كنا باتوا تخيلي باللي كاين دي سيكونس اللي عندنا اكستيريور برا عاودنا موديفينا ورديناهم انتيريور داخل بقها كيما العباره صافي بدلنا شحال من حاجه سي بور سا كانت بيرتوربي شويه ليستوار باسكو نص ليستوار كانت ما بين اكستيريور يفالي لادابتي سويفون لو كونفينمون بيان سور هذه هي
والحمد لله زعما رانا سلكناها كاسا نوتر بيبليك اللي قرا عندنا بيان سور انا كي نخرج برا ونسمع نسمع الناس وجدتينا جديد شاكي دايره جديد شاكي والله غير الحميد تشوك نقول الفو فير دي زيفور ويلق نكملوا هذا البرودوي نقدر نقول لهم لا ولا ما خدمتش ولا وكنا بالشروط ثاني كنا بالكمامه كنا زعما ماشي بالجل كل شيء كانت منظمه لا برودكسيون تاع عبد القادر زعما كنت منظمه ماشي دايوغ مو جو بونس كعبد القادر عداد اي ان تران دو سويفر اي دو سويفر لي تراس دو هواري لاير دايوغ اون ا اي بونسي بور لوي اون بونسي اوسي بور سي انفان بور سون ايبوز صحه عيدكم اي بي ربي يعاودكم ان شاء الله ان شاء الله ولمه ثاني نقولها عيدك مبروك كل عام وهي بخير ان شاء الله يا ربي كل عام وهي بخير فوالا دونك جو كرو كي اي ان تران دو سويفر de suivre les traces de Houari Lai Hmou. Eh bien sûr, parce que le travail que nous faisons fait Rahba, donc Houari Abdaqa obligé obligé obligé. Très bien. Oui. Alors, vous avez des anecdotes à nous raconter qui s'est passé pendant le tournage? Asri. Certainement avec lui, avec lui le blagueur, ça c'est certain. Oui, bien sûr. C'est que vous faites plein de blagues. Oui, 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 je sais. Et le français est bizarre. Aïe, goulna wahda. Goulna une blague li dertha lhom ntaya fi wast el fi wast. La ma ana khatit li blague, ma dnach li blague. Ma darch li blague, chadet. Oui, bien sûr. Kawalis wa. Chassra, chassra, chassra. Ça va ki bas li dakhna ta al nta azitoun. قريب يطيحنا من يدينا قالت قال لك ارقصوا قالت الزنزله كانت قال لك اللي ارقصوا المخرج كيفاش درتوا ليفيت على الزنزله ما فهمتش الزنزله هي سما كاين سيستم في واحد العفسه في التكنيك اللي كاين التكنيك كاين مدير التصوير اللي نحييه سعيد مع المخرج حافظ بن صالح حافظ بن صالح حافظ بن صالح وهو المخرج تاعنا نقولوا له صحه عيدك كاع ليكيب امين وليد كريم طوني كاع ليكيب الحق لا ماكياج حسنيه جاهي مجدة قاعد تعبوا معنا في الحق ملياني السيناريست بداوا يصوروا بالكاميرا من الكاميرا زيكزاكي ويقول لك ارقص معاها ولينا نرقصوا انا حسيتها رقصه الاولى ما كنتش فاهم من بعد قال لك لا لقيت هذاك السلي قريب يطيح من يدينا مع كان عبد القادر شويه قليل فهمنا بديناه للزوج واه معمر سني ثقيل شويه فيه الزيتون خفنا لا مع هذيك المرقه ولا تلعب ولينا نرقصوا كي هذيك المرقه شتي عيط لها المرقه الو الو ايمان ايمان وي لو مالور الزيتون ما كلاش دوماج هو يقول لهم احكوا لي في ليستوار كي تضرب الزنزله اسكو ناكل الزيتون ولا لا قالوا لي قالوا لا ضربت الزنزله امبوسيبل تاكل الزيتون ومين بغيت ندوق مين بغيت ندوق قال لي المخرج الدوق نتفاهم معاك راكور قال له قال لك كي نروحوا نخليها كيما راهي قعدت راهي قريب راهي قاعده مازالها مازالها في الفريجيدير قعدت في قلبك قعدت في قلبك او سي نورمال انا كنسيب دروك نحميها وناكلها قعد في قلبك قعد في قلبك هذاك الزيتونه صح داروها افيك دو بولي ولا افيك لا فياند لا خدمت بخت خدمتها بلي بولي ودرت الشامبينيون هكا هذاك الشامبينيون هذاك الابيض اللي يجي كي القرناع ودرت شويه هكا زيتون ودجاج محمر واه اي سالات ديسير صدير انا من طامعه باش يتزوج بيا في كنت تعتني لحنتي انا ما نبين لهش بلي جبت لك انا نقول له درت صدقه وبقى لي شويه زيتون راني جبتها لك هي صدقه لي صدقه في المقربين ان شاء الله يجعلها صدقه مقبوله وانا نخطر انا حياتي غير حدا شفناك في راسي شفناك مات 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 في راسي ديلا ديلا غير حلم يجيني واحد الحلم نتطبع عليها ذكرت فيا مازال بالمناسبه نقولها دارت لي واحد المفاجاه عملتني بواحد الورده دفله عيط لها دفله جاب لي اون روز ايمان جاب لك اون روز على الصوار جاب لي اون روز دو كيل كولور دو كيل كولور جي مام با اون روز جاب لي الدفله الدفله مره ما شفتهاش ولا ما شفتهاش داروا هذه في جيبي ما عرفت انا لا ورده ولا دفله ولا معدنوس كاع حل عليا الباب معدنوس حل عليا الباب عطاني الورده قلت له كوا دفله قيس بها قلت له هديها جايب لي الدفله وما بغيتش نقول لهم حبسوا استحملتها ورحت استحملتها درتها في قلبك سي نورمال باش نشحوا المشهد المشهد سيرتو انا كي كنا انا وبختها عرفت كي معاك يليق نفهمها تفهمني
voilà. C'est une bonne collaboration. C'est normal. Khadmet معايا بزاف, خدمت معايا يوميه الزربوط, خدمه معايا زعما. Et quels sont les artistes, les nouveaux artistes qui ont rejoint l'équipe justement de Barta, Asli, etc. et qui se sont adaptés au jeu de Intercom. كانوا كاينين بزاف ديال زارتيس جو وهاد المره اللي درنا هاد التجربه باش الناس تكون تحب المسرح دوك نفهمك جوستمون يا يو دي جون زارتيس دو تياتر كانوا كاينين دي زارتيس واحد اخرى كانوا بارتيسيبو معنا مي كي جا لو كونفيرمو هذا ما نجموش يجوا من الجي مي دي بلاصوش باغ اكزومبل سيتي بريفي يكون معنا حميد عاشوري كاين كانوا كاينين بزاف كاين واحد الربعه ولا خالتي بولام كانوا كاينين دي زارتيس باغي يجوا معنا مصطفى سيتي بريفي يجي معنا كان خدام معايا في دوطخ برودكسيون دار نسا دونك وكان الرول برينسيبال سي با بوسيبل امبوسيبل باش يكون معنا ما يقدرش يو بوفي با بارتيسيبي بيان سور دونك C'est pour ça que j'ai واحد جديد و سا فا ديروا ديروا عندهم اكسبيريونس في الخشبه المسرح وما تاع التياتر كاين زادوا لصقوا معنا وما تاع التياتر alors quelle est la différence entre un artiste qui fait le théâtre et un artiste qui n'est pas passé par le théâtre شايلا لا ديفيرونس اللي واحد اللي فات على التياتر وواحد اللي عنده موهبه ايمان كاين اللي داير التياتر ويخدم معك السينما يخدم معك لا تيليفزيون نورمال مي باش ديفو تاعه كاين عمالقه باغ اكزومبل عبد القادر علولا صراط بومدين الله يرحمهم كاين عمالقه وكاين كاين لي نوفو هادو مازال شويه شويه من بعد يعرفوا السينما باسكو لو تياتر تهضري بيديك تهضري الالقاء لي جاست جوستمون هذه لي جاست ويبغوا ليسباس لوسا مي لا تيليفزيون نو لا تيليفزيون راكي محصوره مع لا كاميرا سي ناتشورال عندك ان كادر il faut pas dépasser c'est-à-dire هذا هو لو كادر تاعك مي لو تياتر تطلعي سور سان ما كان لا سيري لا غرون بلون لا والو لا غرون بلون لا هاتشوما على بالك دير في المسرح في المسرح راك تزغط غدوا يدير لك سيري مي دي فوا تكون ترقص مازال فرقي مازال فرقي نورمال هي الصح خاطش رقصني عبد القادر نهار اللي قال لي مازال راك دير لي كور قال لك ما ينساش هز كتافه القلايلي ما ينساه قعدت فيا هذاك الفيبرار قعدت فيك داك هكا داكو صح ابا جو موك سي لا جورني دو العيد اي بيان سور سو سون لي ديديكاس اي بيان اون فو بريزونت دي ديديكاس دارتيست كي نوز اون انفوايي لور فو دو العيد اي اون سو ريتروف جوست ابري توجور افيك نوز انفيتي اخت ايمان سالو جو سوات ان عيد مبارك ا تو لي مسلمون دي موند انتي نقول لهم عيدكم مبارك عيد مبارك سعيد مبروك وعشركم إن شاء الله كل عام وانتم بخير تعيدوا بالصحة والهنا والسر إن شاء الله إلى كل جزائريين خاصة عيد مبارك سعيد نقول لكم مجمعة غاستي كونفيني قعدوا في دياركم غاستي شيفو مازال الحال مازال ما تقلقوش على برا ما تخرجوا إلا للضرورة ورا وسقتي كان سي فريمون نيسيسير بس كل وباء هذا مازال يدور Voilà, la première fois, on a pris confiance. Au chauffeur, nous sommes طبيب ربي عاونا ربي يكون معاه ان شاء الله يبكي يقول لي الناس هما اللي حقرون هما اللي غبنوا لو غبن روحهم اللي تخيل الانسان يجي انت تشوف فيه يموت او غبن روحه هو وغبنك انت معاه علاش باسكو ما خدتش الاحتياطيات تاعو نعرفوا باللي كل شيء بالاجل نعرفوا باللي ربي يقول واذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون بس ربي ثاني يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه صدق الله العظيم ويقولوا الحظ غلب القضاء دونك الانسان يبقى توجور يلتزم لجاست باغيير وتسبكت لي كونسيل دونك حنا رانا في عواشر ان شاء الله عواشر مبروكه رانا في عيد مبارك سعيد ان شاء الله لكل الامه الاسلاميه يعني توريز الجزائريين خاصه نقول لهم تهلاو في روحكم اي غاستي شيبو سورتو غاستي شيبو مازال البلدان الكبيره كيفاش تغلبوا على هذا المرض عفانا الله وإياكم ربي إن شاء الله يكون معنا ويرفع هذا الوباء هذا العيد قولوا معي آمين
تغلبوا عليه بالكونفينمون. فوالا شكرا، تحياتي لكم مجددا، عيد مبارك ان شاء الله سعيد، مع السلامه. ان شاء الله تنعد علينا هذا المناسبه بالخير والبركه ان شاء الله علينا وعلى كل الامه الاسلاميه. نتمنى غير حاجه واحده، ربي يخرجنا من هذا الوباء، من هذا الجائحه، ونوليو لعاداتنا وتقاليدنا، وان شاء الله نتلايموا في اقرب وقت بصحه وعافيه ان شاء الله. نقول لكم تهلاو بزاف في رواحتكم، تهلاو بزاف في صحتكم وفي صحه العائله ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو قريبا ان شاء الله. الزول في الاوان ما سيد، وان صحه العيد، وان صحه عيدكم، تقبل الله منا ومنكم، صحه عيد كل عائله، وصحه عيد اللي راه معاك تما كامل حاضرين. اكون ديري في سنتك صحه العيد، وان كل سكوسه بنتي تفر بي بخير وعلى خير، هذه في خاطركم. امني امني تخيم وتيسر، أرجوي فهمي، حسو فعزيز ضم ثسام، ورتمني دقارم ذويني ضران مدن، يارك في اللي تسمين ثني زدغن، بغان فرقنا إني تسدوك ثيري. أمني أمني تخيل موت زي سرام، أرجوني فهمي، حسو فعزيز ضم ثسام، وعلى عاطلكم صحة عيدكم، وإن شاء الله العقوبة العام المجيء ماسي دي ما يدون. عيدكم مبروك، تحية غالية لكم يا أحبابي يا عزاز عليا، عيدكم مبروك، تحية غالية ليكم يا أحبابي يا عزاز عليا. De retour sur notre plateau et toujours en compagnie, on va dire, de nos étoiles d'Oran. Alors, les projets, quels sont vos projets? Est-ce que vous avez, est-ce que vous allez participer à d'autres productions? Inch'Allah, et pourquoi pas, il a quand Haja qui m'a donné ça, ou surtout Mahahia. J'aime bien travailler avec elle parce que qu'on a il a aucun hiwar binetna, mais une petite me dira et qu'il y a une madra et à one and madra et ou qu'on mise en ouahed ou qu'on a mitsafine ou Mahahia. Et la base, déjà la base de toute relation, que ce soit on va dire de travail ou alors à la maison, ou familiale, ou alors personnelle, ou là amicale, c'est que c'est le respect. C'est le plus quand il y a le respect, c'est le plus important. Donc on peut avancer. C'est le plus important. Le voilà, respect, parce que qu'on a le respect, la sincérité aussi. Oui, et pas mieux. Oui. Et pas mieux. Qu'on a il a muhtarama ou kant hadik dar nsa. اللي عطات صورة للجزائريين بغيمون كنا متلمين تقدري تقولي ما حسيتش بلي روحي راني نتورني. Et bien la prochaine fois j'espère qu'on va vous retrouver dans des productions sur Canal Algérie, sur la télévision algérienne. Parce que maintenant on a 7 chaînes. La télévision algérienne a 7 chaînes, puisqu'on a rajouté 2 chaînes, alors plus la chaîne voilà. du savoir. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah. 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 Barta, des projets? Inch'Allah, prochainement, qu'un des projets, d'autres projets, Inch'Allah, Yarbi. Inch'Allah. Le plus tôt possible, Inch'Allah, peut-être qu'un fil l'Aïd al-Kbir. Inch'Allah, Yarbi. Yeroh alina had l'waba, hi yel l'oula. Inch'Allah. Inch'Allah, Yarbi. وإن شاء الله تكون معنا حليمة إن شاء الله، إن شاء الله يا رب ليا هذا شرف ليا إن شاء الله عسري إن شاء الله على كما قالت الأخت بختة تاني إحنا نقارعوا يروح لنا الوباء هذا المرض
ان شاء الله هون خاطش تصلوا بينا وحدي كاين مشاريع بعد العيد كما قالوا دركم يقارعوا غير الحيه برك ان شاء الله تنطر ربي ان شاء الله تكون اي باسكو يا لو كونفينمون بور لو مومون il faut il y a le port des bavettes qui a été décrété officiel à partir d'hier donc s'il vous plaît chers amis téléspectateurs vous êtes en train de nous regarder donc portez la bavette le gel hydroalcoolique mieux on respecte les gestes barrières on respecte bien le confinement et bien on en finira avec ce virus inchallah. Vos dédicaces eh bien c'est la journée des dédicaces vous avez des familles qui sont en train de regarder des amis aussi bien sûr Halima bien sûr l'honneur Halima barakallahu fik oui priorité à aux autres parce que Zawania elle est encore avec nous oui نقول انتما انا باقيه معاهم هنايا في البلاطو انتما اللي بغيت تغادرونا كون va retrouver tout à l'heure d'ailleurs parce qu'il y a une autre surprise qui vous attend chers amis téléspectateurs ان شاء الله يا ربي بون انا ديديكاس تاعي الاولى نسلم على ما نقولها صحة عيدك على الزوج تاعي عبد القادر احميه نقولها عيدك مبروك كل عام هو بخير لا فامي بوسمحه على زوجتي كاع لا فامي احميه ثاني الاب تاعها نقولها كل عام هو بخير ولد اختي اللي نبغيه نموت عليه ادم زكريا ابو خمس نسلم عليه بزاف الزوج تاعها ايضا صابر نقولها عيدك مبروك كل عام هو بخير العائله تاعي عريجه محمد امين وريضة سلم عليهم بزاف الخديجه بنتي راها في ثاني ربي يخليها لي كاين جواريني الا كلاج الا كوميا دو موا عام داكور تري بيان كاين اسراء سلم عليها بزاف ونضال ثاني وعبد الرحمن راهم يسمعوا فيا وردود ثاني نقول لها عيدك مبروك وسبيسيالمون ندير تشكرات ونقول لها عيدك مبروك لرئيس الامن الحضري رقم 5 لعائله بوتلجه نقول لها عيدك مبروك كل عام وهو بخير وكذلك لعائله بالجلالي في غليزان كل عام وهو بخير ونقول لها عيدك مبروك وعائله قاسيه مينا هذه حبيبتي واختي نقول لها عيدك مبروك كل عام وهي بخير وعائله بابا حسن عيدها مبروك وكل عام وهي بخير هيا اسكت جبري ولا العام الجاي ما كتزوج اسكت انا نقولها لك ما كان زواج ما كان كوارط تقلب هذه عدس ولا انا ما كان زواج ما كان كوارط ما تبدليليش الميري بقعد في الزيتون قولي لي بتوم ولا حاجه ولا بركوكس ولا انا وحشينا بركوكس بون ديديكاس تاعي نقولوا باللي عيد مبروك ان شاء الله للشعب الجزائري كامل العائله تاعي الزوجه تاعي وخوتي لا فامي بكعكع لا فامي مصطفى التونسي لا فامي بو علامات لا فامي معبد اتونسيون ما تنسى حتى واحد واه راني نتفكر ils sont en train de regarder وعلى بالي راهم يشوفوه كاع لا فامي قاسي قايد يسعد ثاني الاطفال كيما ولادي المجدوب انيس علاء وزوزو قمر شيماء رميسا ناس الكرمة لا لا هذو ولاد كل واحد سمع هذو خواتاتي ما بغيتش باش ما نضيعش الوقت نصر الله وزادي ناس الكرمة نصر الله ناس الكرمة وي تاعنا هذا تاعنا هذا تاعنا جاري هذا اكزاكتو جاري هذا عائلة مخربش عائلة عائلات كاع ان شاء الله العائلات كاع الا ما نسيتش ولا الله غالب اللي نسيته بالله غالب لا فامي جديد لا فامي جديد حميده صديقي و... ونقول ثاني نعاود نولي العائله تاعنا تري بيان ميرسي بوكو ميرسي بوكو عسري سو فيت ان بليزير كو دو بارتاجي افيك فو سو بون مومون ميرسي برتا يسلمك ميرسي يعطيك الصحه اي اون سو روتروف دون ان بتي مومون دايور باسكو اون فا با فو ليسي بارتير كوم سا D'accord. Très bien. Eh bien, entre-temps, nous, on vous propose de suivre ce best-of sur ce qui s'est passé durant le Bonjour d'Algérie, durant le mois de Ramadan. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Forum des chefs d'entreprise, effectivement, est une organisation patronale qui, bien sûr, a pour but de promouvoir les intérêts des entreprises et des entrepreneurs algériens. Mm-hmm. Mais vu donc la pandémie et la situation actuelle, donc la priorité du forum a été donc d'être solidaire avec le peuple algérien. Et nous avons donc fait plusieurs actions durant ce mois. Mm-hmm. Entre autres, je vais vous citer les plus importantes. Ça a été donc de mettre 650 kits hygiéniques au profit des gens qui étaient en quarantaine au complexe Les Andalouses. J'ai fait plusieurs activités depuis le virus corona, depuis quand déjà depuis 8 ans. D'accord. C'est une association qui a la prise en charge des malformations cardiaques. Mm-hmm. C'est une association médicale et sociale. Mm-hmm.
aider les enfants cardiaques, les malformations cardiaques. حنا les activités sociales اللي انا نديروهم سي درنا plusieurs opérations تاع تعقيم 5 opérations avant le mal la direction de la PC d'Oran. Récemment tenu distribution les bavettes tous les jours à le peuple et même رانا نخرجوا tous les jours avec l'équipe تاعنا distribution les repas froids les jus pour les pompiers l'amn les paramédicaux les qui sont en confinement tous les jours. On commence avec flashback en hommage à Idir Rabbi Yarhamou par les chœurs Emilira. C'est un cover et medley de Idir. À la journée internationale le 3 mai de la liberté de la presse. Donc, qu'avez-vous à nous dire sur cette journée internationale? Très bien. D'abord, on ne le dira jamais assez, ce n'est pas une fête. C'est d'abord une étape pour faire le bilan sur ce qui a été fait. Le faire avec courage, avec lucidité, pour voir nos failles, nos défaillances, surtout ce qu'on n'a pas fait, surtout ce qu'on a raté. Se remettre en question? Tout à fait. Très bien. Hamid, que pensez-vous du 3 mai? Bon, je partage l'idée, c'est-à-dire c'est comme si c'est un bilan. On n'est jamais satisfait par rapport à la liberté. Moi, je parle de la photo. Je parle de la photo des années 90, c'était vraiment difficile. Maintenant... C'est plus facile maintenant? Ah oui, c'est plus facile. Bien sûr, c'est grâce à la technologie aussi. Eh bien, du moment qu'on a parlé un petit peu de cette pandémie qui est le sujet du moment et du Covid-19, eh bien, on vous propose un sujet sur l'acheminement de malades atteints du Covid-19 et on se retrouve juste après. Le HU d'Oran a mis en place un circuit isolant pour les cas du coronavirus afin d'éviter tout contact direct et indirect entre les sujets du coronavirus et les malades qui viennent à l'hôpital pour d'autres pathologies. Tout patient qui passe par l'urgence, il doit passer ici avant qu'il passe par l'urgence pour éliminer une suspicion de corona ou une confirmation de corona. On vous propose de suivre le sujet sur WEFA et on se retrouve juste après. Les actions de solidarité pendant le mois sacré de Ramadan se multiplient, tel est le cas de Madame Wafa Belkacem, qui veille à la préparation et distribution de repas chauds en soutien au personnel soignant dans sa noble mission de lutte contre le coronavirus Covid-19. Le 45 est un moment de basculement dans l'histoire de l'Algérie et notamment pour la période coloniale. Vous savez que les Algériens, dès 1830, résistent avec force, avec courage contre une armée puissante. Un slam, c'est un poème qui est récité accompagné d'une musique. Ce slam-là, il a réuni 20 volontaires de 15 pays différents. Il a réuni des influenceurs tels que Marwa de Doll Beauty. Il a réuni des artistes tels que Jam, qu'on salue et qu'on salue tout le monde justement, d'ailleurs. Justement, alors, Iman Sahir. Oui. Eh bien, je vous propose de suivre ce clip et on se retrouve juste après. Merci. L'Aïch Ma'an, Wanida Idouivga, N'Hak L'Alam. Afin de bannir la violence et l'intolérance qui nous inondent. Et reconstruir les pilars du respect. Kunka, Shukyo, Shikisai, Sento Ichino Nuance. Angad l'enfrain de Kofi, Fembe Mouti Filmatai. Le Majel Had Louad, ou alors Sdar Shamil, les Kayouhed, ou les Kaysma, Tachabou Djalna. Devait-il nous résoudre un nouveau mur de mystère?
De retour sur notre plateau, et du moment que c'est la journée des dédicaces, eh bien, Nassallah présente ses voeux à tous les éléments du corps de sécurité actif et retraité, et au corps médical et paramédical, notamment à Lydia, et Lydia Nordine et Wefa. Eh bien, Najat Belbia présente ses voeux à son époux, à sa maman, El-Hajja Boulnoir Fatima, qui est en France, à sa sœur Zohra et ses enfants, Imran, et les jumeaux Youssef et Yasmine. Et Tesnim. Alors à son frère Belbia Nadir, alors son épouse Soumia et les enfants Imed et Ayman, et à toute la famille et la communauté algérienne à Montpellier. Fatima Bouhnani présente ses voeux à sa maman, à son fils Chouqi, ainsi qu'à toute sa famille à Oran, Belhabès, Sidi Libnioub, Tlemcen, à Paris, à Bagnols-sur-Cèze et sa copine Dounia, à Bagnols, Avignon, Montréal, et à toute sa famille, où qu'elle soit, et à toute la communauté algérienne, où qu'elle soit. Eh bien, Ben Hawa Ben Ali, à toute la famille, où qu'elle soit, Sherifa, Adam, Keltoum, la famille Ferchichi, El Ghali, et bien sûr, sans faute, Nadia, qui est sa tante, Nadia, qui est à Paris. Eh bien, Foussi Tayeb à toute sa famille, et aux enfants, Yasmine, Ali et Ashraf. Alors, Nadir Belhaj, lui aussi, présente ses voeux de l'Eid à toute sa famille, où qu'elle soit. Et bien sûr, toujours en compagnie de nos invités, eh bien, on a une autre étoile oranaise, c'est « On vous a connu, Fawazir, on vous a vous avez fait, alors, que de belles choses depuis les années 80, vous êtes là, sur les planches du théâtre, vous êtes là à travers, on va dire, la télévision. Donc, c'est Malika Youssef, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour l'invitation. Et mabrouk, kol am wanti bkhir. Salamak, aïdkoum mabrouk à toutes et à tous. Et tout d'abord, je voulais présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été touchées par cette pandémie mondiale. Oui. Et voilà. On a une pensée. Voilà, on a une pensée à ces personnes. Et une guérison pour toutes les personnes qui ont eu le corona. Très bien. Donc, Malika Youssef, on vous a vu. On vous a vu pendant tout le mois de Ramadan, vous nous avez accompagnés dans la bonne humeur, mais vous avez interprété un rôle un petit peu, oh là là, pourtant vous êtes très, très gentille. Oui, mais il faut faire la différence entre les... Il faut diversifier. Diversifier. Ouais. Et puis, bon, c'est un rôle un peu différent des autres rôles que j'ai déjà campé dans mon passé. Mm-hmm. Et ça m'a... J'aimerais bien montrer le deuxième visage de Malika Youssef parce que je ne suis pas tellement gentille. Mon Dieu! Je suis un peu... Devant les téléspectateurs? Oui. J'ai mon deuxième visage. Ah d'accord, donc on a découvert le deuxième visage ou pas encore? Un petit peu, oui. Parce que j'ai campé un rôle d'un personnage qui est une femme qui est un peu jalouse, la cupidité aussi. C'est une femme qui est une profiteuse, malgré qu'elle a tout ce qu'elle souhaite, mais toujours, elle a toujours envie de profiter des autres. Eh bien, nous avons justement la réalisatrice Aïcha Talhaoui qui m'a dit, alors tu lui passes le bonjour et tu lui dis « Saha Aïdek » parce qu'elle a beaucoup travaillé avec vous. Aïcha, écoute-moi. Merci Aïcha, ma chérie. Et puis, on vous dit Saha Aïdek, et que vous êtes bien avec toute ta famille. Inch'Allah, je vous prie. Alors, Malika Youssef, dans un rôle, on l'a découvert dans un rôle, comment Malika Youssef a passé Ramadan, surtout pendant ce confinement, à la maison, avec les enfants? Comment vous faisiez? Oui, c'était très difficile. Ce Ramadan de cette année est un peu spécial. Oui, un peu spécial. Un peu spécial, qui nous a vraiment... Bon, il nous a chamboulé. J'étais pratiquement dans la cuisine. De 3 heures de l'après-midi jusqu'à l'Eden. Et après, bien sûr, remettant avec la vaisselle, avec le...
voilà, comme toutes les femmes algériennes. Et puis, نقولهم إن شاء الله ربي يكون إن شاء الله ربي يعاونكم parce que c'est pas facile de faire le carême et de faire la cuisine toute la journée jusqu'à suhour parfois. Justement, oui. Et c'est fatigant, c'est fatigant. Voilà, oui. C'est très fatigant. Évident. Oui. Et quel est le plat que vous cuisinez le plus pendant le Ramadan? À vrai dire, c'est le Ramadan qui me donne l'envie de chercher pour faire plaisir à mes enfants. Moi, je suis pas une grande mangeuse. Je mange pas beaucoup, mais le plaisir des yeux. À faire une belle table avec mes enfants, et j'aime bien voir mes enfants quand ils goûtent. C'est la première cuillère, je demande est-ce que c'est bon. Vous êtes tout le temps satisfaite. Voilà. Et j'aime pas qu'on me dise bon, ça manque un peu de sel, ou bien ça manque un peu de ceci, cela. Le melh a toujours. Parce que mais avec le Facebook et tout ça, on peut placer d'autres plats qu'on a l'habitude de faire. Halima, qu'est-ce que vous cuisiniez pendant le mois de Ramadan? والله العظيم انايا تعرفي هما يشرطوا عليا ولادي يشرطوا عليا maman tu fais ça maman tu fais ça حاجه هادي وانايا ندير ندخل الكوزينه. On sait que vous êtes un cordon bleu. Alors, vous êtes même dans le côté associatif, vous l'étiez. Vous êtes une femme de cœur, tout le monde le sait. L'année dernière, vous faisiez même un repas chez vous, où vous rameniez des personnes chez vous manger. Alors, comment vous avez fait pendant ce confinement? On ne peut pas inviter les personnes, on ne peut pas partager notre repas. Quand on ومن يقول لك واحد يفطر صائم عنده أجر. إحنا يا ماذا بينا يكونوا قاع الناس فرحانين وشفتي سوختو هذا العام فريمون كان مختلف على الأعوام الأخرين. Alors, Melika Youssef, vous avez participé, bien sûr, dans la sitcom, justement, le Faïda ou le Hissab. Faïda ou le Hissab. Donc, est-ce que le tournage était en plein confinement? Oui. Comment vous faisiez? D'ailleurs, on a posé cette question à Barta et à Asri. Oui. Donc, c'était pas facile du tout, parce qu'il y avait même des plans qu'on devait faire à l'extérieur, ils ont été déviés. Ah d'accord, vous avez changé un petit peu. Oui, on a changé. Et est-ce qu'il y a des situations que à vous qui a changé? Non, pas du tout, parce que moi, les scènes que j'avais, enfin mes séquences que j'avais, les séquences de mon personnage, c'était à l'intérieur. J'avais que deux ou trois scènes extérieures, mais ils ont été changés. Très bien. Oui, ils ont été changés. Êtes adapté, bien sûr, à cette situation. Ben oui, il fallait faire, sinon on pouvait pas plus que. Puisqu'on était vraiment, c'était trop, le confinement, c'était pas entre, c'était entre pas nous, Melika Youssef, alors vous êtes artiste, vous passez votre temps à l'extérieur d'ailleurs, sur les planches du théâtre. Oui. Donc, comment vous vivez ce confinement? Est-ce que vous le respectez à 100%? Oui, je le respecte. D'ailleurs, tout le mois de Ramadan, je suis sortie deux fois. Oui. Et très en bien. Sortant, je n'oublie jamais mon masque. Ah oui, la bavette. Ah oui. Oui, ah ma oui. Bavette, elle est toujours avec moi. C'est notre sécurité. Oui. C'est notre carte de sécurité. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il faut porter la bavette ou le masque, bien sûr, pour en finir avec cette pandémie qui nous a vraiment chamboulé. Chamboulé, oui. Et puis, on s'est adapté à cette situation. Maintenant, on est beaucoup plus famille, est beaucoup plus cuisine pour les femmes, pour les hommes. Il y en a même des hommes qui ont appris à faire la cuisine.
les cordons bleus, c'est des hommes. Exactement. Alors, à l'origine, c'est des hommes. Les plus grands chefs, oui, les plus grands chefs, c'est des hommes. C'est des hommes. Oui, c'est des hommes. Parce que eux, ils cuisinent avec amour. Ouais. Nous, c'est par obligation. Moi, je le fais par amour. Ah ben voilà. Oui, entre parenthèses. Oui. Je t'connais bien. Oui. Bien, mon cœur. Oui. Nous, yani, on fait avec amour, on fait avec art. Quand on cuisine, c'est voir oui, les bonnes épices, voir les bonnes surtout épices, surtout qu'à Oran, l'odeur et oui, tout ça, les on a une cuisine oui. Aromatique, une bonne harira, un bon tagine, c'est le je plaisir déjà avec toi. J'ai déjà le harira. Ah bon? Parce que moi j'adore le harira, oui. Franchement. Bien que j'ai préparé bien avant le ramadan, j'ai préparé parce que c'est mes habitudes, je prépare presque tout, je prépare. Comme ça, je n'aurai pas beaucoup de temps à passer en épluchant et tout ça. Ah d'accord, ok. Oui, les desserts aussi. J'adore faire les desserts, j'adore faire les plats. Qu'est-ce que vous avez préparé comme dessert nouveau, une nouvelle recette? Pas de nouvelles recettes, mais surtout c'est des fruits. C'est des fruits. Et puis. Moi j'ai appris à faire la glace. La glace à la maison sans sorbetière. Oui. Ah oui. Avec Nestlé. Exactement. Et avec des fruits. Et j'ai rajouté un peu de crème fraîche. De crème fraîche. C'est un délice. Et placé au congélateur. Et puis, vous sert, avez une glace délicieuse. Délicieuse. Oui. Ah, donc ça, vous connaissez la recette. Oui. Moi, oui. Je pensais que j'allais vous apprendre quelque chose. Une nouvelle recette, Malika. Regarde, comme ça, la cuisine. J'adore la cuisine pendant le ramadan. Et le riz au lait. Vous avez préparé du riz au lait? Oui, du riz au lait, oui. Mais le riz au lait. Oui. Parce que c'est. C'est important pour la santé de manger sain aussi, les légumes. Oui. Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Moi, je ne suis pas tellement viande, mais je prépare pour mes enfants la viande. Moi, je suis surtout poisson et légumes, et bien sûr les fruits. Comme la majorité des Oranais. Eh bien, vos dédicaces, parce qu'on arrive à la fin de ce plateau, pour recevoir d'autres invités. Mais on ne va pas vous quitter. Hein. Oui, d'accord. Vous n'allez pas nous quitter aussi, parce que vous allez être dans un autre endroit. Vous allez rejoindre Barta et Asri. Inch'Allah, avec un grand plaisir. Bon, mes dédicaces, ça sera pour ma grande famille, ma petite famille, mes petits-enfants, qui sont 13 déjà. Rabbi khalihom, bon, ya Marwa. Je ne peux pas les citer. Oui. Inch'Allah, ils s'amhouent les bons. Parce qu'ils s'amhouent les médias ou les chez Baraz, un de l'Ebbe Kennedy. Nsabi, Kennedy, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, à vous, à madame Zahouani Halima, ma soeur. Merci beaucoup, Malika. À tous les Algériens, dans la communauté algérienne. Partout dans le monde et en Algérie aussi, mes fans aussi, نقولهم صحة عيدكم وإن شاء الله نشوفكم بخير إن شاء الله نكون دائما في المستوى ونقدم لكم الأعمال اللي أنتم راكم تطلبوها لي ديجا وتقولوا لي ها وين نشوفوك إن شاء الله يا ربي يعوضني إن شاء الله يا ربي في هذا الشهر اللي ما تلاقيتكمش باسكو énormément. Eh bien, ce n'est qu'une période par laquelle on est en train de passer. Certainement, vous allez retrouver la route des planches, on va dire. Très bien. Ben, merci beaucoup, Malika. Ce fut un plaisir que de partager avec vous ce bon moment familial que vous nous avez transmis, d'ailleurs, des recettes, etc. Merci. Et même l'ambiance ramadanesque qui régnait chez vous à la maison. Merci. Donc, aussi, je saute sur l'occasion pour présenter mes voeux à toute la communauté algérienne maghrébine où qu'elle soit. Eh bien, on vous propose ce clip et on se retrouve juste après. Retour sur notre plateau et bien sûr, on a été rejoint par deux personnes qui ont fait, on va dire, la une des programmes de la télévision algérienne, la belle émission de Shajarat al-Ila, animée et préparée par le grand
Rayan Atmani, qui est notre rédacteur en chef. Bonjour, Eid Mubarak. Sabah al-khair. Kul aam wa antum bkhir inshallah. Sabah al-khair. الحاجة وشراكي سبا تخيبيا رايان سبا بليزير اللي شفتك عيد مبارك عليك إن شاء الله كل عام وانتي بخير اي بيان سور فوز ايتز اكومباني اون اوبليجي دو بارلي ان فرونسي نو اي بيان سور فوز ايتز اكومباني بار لو مايسترو كي ا في لا ليكسيلانت رياليزاسيون اي جو في با جو برود با دسو هان فوز افي سيرتينمون شيرز امي تيلي سبيكتاتور فو ديجا ليميسيون كي ا ايتي Et trop bien réalisé, juste par Mehdi, par notre Mehdi. Bonjour. Mehdi Defallah, bonjour. Bonjour Iman, sabah al khair, el hadja. Sabah al khair, oui. Saha aidkoum, koul aam wantoum bkhir. Oui, Shajarat Laila, enfin. Shajarat Laila, enfin, elle a vu le jour. Le bébé de la station d'Oran. Le bébé de la station d'Oran et aussi le retour de Rayan. De Rayan, et grâce à l'équipe. L'équipe technique. Ah oui, chapeau bas. Notre équipe technique, chapeau bas, ce sont l'équipe technique de la station régionale d'Oran. Layatekoum Saha, vraiment, bravo. Imagine surtout avec le confinement et avec 50% de la station. Dernière le produit, Inch'Allah, il est à la hauteur de. Rayan, Shajarat Laila. Et c'est le Malik. J'ai participé d'ailleurs à cette émission. Justement, tu as l'ambiance taha. Bah, j'espère, Inch'Allah, qu'on reprendra bientôt Inch'Allah. Et d'autres invités. Le Hajjal, c'est bon, on a négocié. Avec plaisir. Allah, apparemment, elle a regardé. Beaucoup de gens ont aimé, les téléspectateurs. Oui. Ça a fait un buzz. Mm-hmm. Les chaînes de télé, il y avait certaines personnes qui ne pouvaient pas inviter, par exemple, Shahrazad. Maintenant, elle est devenue tellement accessible et elle a pu toucher les gens avec son côté humain. Mm-hmm. Et l'émission, c'est ça, c'est le côté humain. من اش خلفك على الجيري خلفتها لك Et donc, c'était un rêve qui s'est réalisé, mais la réalisation d'un rêve ne vient pas comme ça. Elle vient. Il y a des gens qui sont derrière, quelqu'un qui nous fait confiance, un Idriss qui te dit vas-y, fais ce que tu veux, je suis là. Je suis derrière. Effectivement. Un Baraka qui ne fait jamais d'émission. qui est directeur et qui ne fait jamais d'émission et qui se propose et qui se met aux ordres de Mehdi pour voir et pour donner un bon éclairage, une belle image de la télévision algérienne, pas de la station, mais de la télévision algérienne. Parce que c'est un produit qui a dépassé la télévision algérienne, je veux dire, au-delà de la station, au-delà de trucs. On peut le voir au Moyen-Orient, un peu partout dans le monde. Je veux dire, c'est quelque chose de beau. Mehdi. C'est la première grande émission. Iman, il n'y a pas une petite émission et une grande émission. C'est une émission, à l'image de la télévision algérienne et à l'image de l'Algérie. Voilà. Donc, télévision, il y a sur le Watan. Exactement. On a le Jazayir. Parce que, donc, on a qu'à les satellites. C'est l'identité. C'est l'identité. Et il y a des AP, c'est l'Algérie. Effectivement. Et vous n'avez pas fait uniquement Shajarat Laila, vous avez fait même Jazayir. Vous avez fait, il a fait. tu as fait, c'est vrai, c'est mon ami. Wallahi, c'est mon ami. Non, Iman, mais qu'est-ce que c'est l'équipe. Nous. Parce que je ne peux pas faire ça. Effectivement. Okay. Donc, moi et l'équipe, nous avons mis quelque chose de nouveau à la télévision algérienne. Mm-hmm. Donc, Jazayir. Avec Nesrine, qui dit « Saha Aïdek, Kul Aam Ouhi Abkhir ». Qu'on n'a pas encore vu. Exactement, oui. Dernière émission, « Chouy Al-Jazayir ». Donc, c'est un programme promotionnel pour le tourisme. Inch'Allah, tu connais les téléspectateurs. J'ai eu 4 numéros, mais j'ai eu plusieurs surprises, Inch'Allah. Inch'Allah. Des projets, Monsieur Atmani. Oui, Madame Harograss. oui, Rayan. Alors, sans plus tarder, on va voir le making of de l'émission Shajarat Laila et on se retrouve juste après. Ah.
Je tenais à, avant de voir ce making-of, je tenais à remercier Zach. Ça, c'est un petit clin d'œil à l'équipe technique. Mm-hmm. Il n'y a pas de grand animateur, de grand projet, de trucs sans équipe. Eh ben, c'est l'équipe qui a donné ce l'âme de l'émission, c'est l'équipe. Mm-hmm. Finalement, c'est Junoud. Hein, donc c'est, ils nous ont tellement donné qu'on a pu donner aussi à notre... On ne peut pas travailler tout seul. Il n'y a pas le jeu. Ils ont travaillé par amour. Exactement. Les petits détails. Mehdi, rectifie. J'étais là. Mehdi, rectifie jusqu'à 7h du matin. Ok. Rectifie jusqu'à 7h du matin, j'étais là. Il faut juste rappeler que l'émission passe ce soir sur la chaîne 1 et la 6, ce soir. Et sur Canal Algérie. À 22h. À 22h, très bien. À 22h et demain, Inch'Allah, sur Canal Algérie pour à 22h. Ouais. D'accord. Alors moi, je tiens à présenter mes vœux de l'Aïd à toute l'équipe qui a travaillé avec nous, l'équipe technique, à commencer déjà par le directeur régional d'Oran, M. Habib Hadri, et toute sa famille, le sous-directeur et le directeur de production, qui est notre frère, notre protecteur, Driss Jaden, et toute sa famille, et bien sûr, Aïcha Talhaoui et toute sa famille, toutes les personnes qui sont là, depuis le début, depuis ce matin, très tôt, et toute la technique, tous les techniciens, alors, et surtout nos invités qui nous ont accompagnés en cette matinée, nos agents de sécurité, le service de montage, le service de la technique, le service, les chauffeurs aussi, quand même, à qui on rend hommage, qui sont là depuis 5h, 4h30 du matin. Je n'ai oublié personne, j'espère. Équipe, oui, nos équipes de Canal Algérie, notamment Wafa Al-Rouati et toute sa famille. Alors, Maryam Akak et toute sa famille, Amel Ulmi et toute sa famille, Faiza Wadi et toute sa famille, et Maya, bien sûr, notre Maya, et toute sa famille. Sahaïd, comme Koul Amoutou Mabrir, et avec à leur tête le directeur de Canal Algérie, M. Ahmed Kateb, et toute sa famille. Moi, je tiens à remercier les gens qui ont joué le jeu avec nous. Mon primo, c'est les invités qui prennent un petit peu le risque, j'allais dire, comme aujourd'hui, qui viennent, qui animent nos émissions en direct et tout ça, qui partagent l'aide avec nous. Les gens qui jouent le jeu aussi, comme Chef Wafa, qui nous a fait plaisir. Ah oui. Comme Fatima, elle s'appelle Fatima. Fatima et la pépinière de Gambetta qui nous a ramené ses roses. Qui nous a accompagné, fait Chajarat Laïla. Et beaucoup de personnes qui jouent le jeu quand même. Et c'est très, 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 très beau. Ils donnent d'eux-mêmes à la station et à la télévision algérienne. Donc, alors, Mehdi, un dernier mot pour qu'on puisse rejoindre nos invités rapidement. Ma famille Ablida, mes parents. Sahaïd, comme les leaders de confiance, mes directeurs, mes responsables, ou les animateurs, les Kamel, Khedmoumaïa, Rayen, Nesserine, ou Kamel l'équipe. Parce que c'est un travail d'équipe. Inch'Allah, on est à la hauteur de Tekata. Très bien. Halima. والله العظيم نعاود نقولها هذا شرف ليا ونشكركم على هذا الاستضافه ونقول عيد مبارك لكل الامه الجزائريين ان شاء الله ربي يدخل علينا بالخير والصحه والعافيه ان شاء الله ونعيد على عائلتي الكريمه لا فامي مازي نورهان لميا ايوب عمار عبد الصمد ولادي كاع كاملين وعائلتي الفنيه ثاني كذلك très bien donc on va rejoindre nos invités et on vous laisse avec une dernière interprétation bien sûr de la troupe Sawara et bien sûr à leur tête Sultan Sahaïd comme كل عام وانتم بخير allez-y nous on va rejoindre nos invités on y va صلوا وسلم عليك يا رسول الله ويا لله لله مولاي ويا لله لله مولاي السلام عليك يا رسول الله ويا لله لله مولاي ويا لله لله مولاي الصلاه والسلام عليك يا رسول الله ويا لله لله مولاي ويا لله لله مولاي سماوي الله يداوي او صحاب الحال والغابة ايوه او صحاب الحال او
صلاتي واسلم عليك وصلاتي واسلم عليك وصلاتي واسلم عليك صلاتي واسلم عليك صلاتي واسلم عليك وصلاتي واسلم عليك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله نبي رسول الله Merci.